Bienvenue dans cette vidéo de la Maison du cinéma asiatique. Quand on parle de cinéma d'action hongkongais, les grands noms sont connus et appréciés par une bonne partie de la critique et des cinéphiles du monde entier. De Low Carlin à John Woo, ils font à peu près l'unanimité. Mais il existe d'autres réalisateurs qui ont contribué à l'essor du cinéma de Hong Kong et ont signé des œuvres de qualité qui se sont hélas retrouvées noyées dans la masse. Un de ces cinéastes, c'est Tony Liu. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue la carrière de l'acteur-réalisateur et essayer de comprendre ce qu'il a apporté au cinéma de Hong Kong. Tony Liu a commencé sa carrière dans l'industrie au tout début des années 1970 en intégrant l'école dramatique de la Cathay, la grande concurrente de la Shaw Brothers en ce qui concerne les films en mandarin, pour devenir acteur. À ses débuts, il apparaît donc logiquement dans les productions du studio. Mais la Cathay était alors en net déclin, et très rapidement, Tony Liu se retrouva à écumer le petit monde des films indépendants. Son physique ne lui permettant pas vraiment d'obtenir des premiers rôles héroïques, il devint un acteur de second rôle très actif. L'action conjuguée de Shang-Chi et Bruce Lee avait mis le film de Kung Fu à la mode, et c'est donc dans ce registre, alors qu'il n'avait pas de formation martiale particulière, qu'il se spécialisa très vite. Les plus pervers d'entre vous se souviendront de lui dans La dialectique peut-être casser des briques, détournement parodico-politique du petit film de Kung Fu Crush. Né pour les pillages des grandes surfaces. Le travail, voilà votre seul rôle. Travail, famille, patrie, travail, famille, patrie, ne sortez pas de là. Sa versatilité et sa disponibilité l'amenèrent même à travailler pour la Shaw Brothers, ou la Golden Harvest. Manifestement, Tony Liu l'acteur connaissait une carrière satisfaisante, mais l'homme aspirait à davantage au sein de l'industrie. Et dès 1974, Tony Liu profita de l'engouement mondial pour les films de Kung Fu pour accéder au poste de réalisateur. Alors à peine âgé d'une vingtaine d'années, il mit en scène ses premiers films d'arts martiaux, Tough Guy et Trail of the Dragon. Deux œuvres fortement influencées par les Bruce Lee réalisées par Low Wai. Tough Guy a ainsi tout d'un simili remake de The Big Boss situé aux Philippines à la place de la Thaïlande. L'ombre du petit dragon continua à se poser sur son travail de l'époque puisqu'il réalisa l'année suivante le film de Bruceploitation, The Death of Bruce Lee, dans lequel l'impressionnant artiste martial américain Ron Van Cleef enquête sur la mort de la star et essaye de mettre la main sur un manuel d'arts martiaux écrit par ce dernier. Si Tony Liu parvint à s'imposer comme un réalisateur de films de Kung Fu durant cette période et à proposer des œuvres divertissantes, il demeurait un cinéaste mineur, surfant sur les modes du moment, mais sans réussir à imposer sa personnalité ou à proposer des angles originaux dans ses œuvres. Quand le cycle de Shaolin de Shang-Chi triomphait au box-office, il signait un très moyen Strangers from Shaolin. Quand c'est la kung-fu comédie qui devint la nouvelle mode, il réalisa le sympathique The Dragon and the Tiger Kids. Mais rien ne laissait penser qu'il signerait des œuvres qualitativement bien supérieures durant les décennies suivantes. En 1980, Tony Liu intégra la Shaw Brothers. Son recrutement correspondait à une politique du studio de retrouver les faveurs du public de Hong Kong en donnant leur chance à des jeunes talents. Plusieurs réalisateurs issus de la nouvelle vague furent ainsi engagés par le vénérable studio, avec des résultats inégaux. Tony Liu fut une prise plus modeste pour la Shaw Brothers comparée à une Han Hoi ou à un Alex Chung. Spécialisé dans le film de Kung Fu, il s'agissait pour la Shaw d'avoir quelqu'un à même de contribuer à alimenter la chaîne de production en film en costume typé action et ainsi maintenir une présence constante dans les salles de cinéma liées à la firme. Mais Tony Liu s'acquitta de sa tâche avec un talent que sa carrière dans le cinéma d'action indépendant ne permettait pas de soupçonner.
Son premier film, The Master, demeurait dans les sillons de ce qu'il avait fait quand il travaillait en indépendant et dans la mode du moment, la kung-fu comédie popularisée par Jackie Chan et Sammo Hung. La star du film, Yoon Tak, est d'ailleurs lui aussi un ancien de la China Drama Academy de Yoo Jim-yoon. Véritable véhicule destiné à le lancer comme un rival de ses anciens condisciples, le film ne parvint pas à l'imposer comme une nouvelle star de l'action. C'est bien dommage parce que Tony Liu, avec l'aide du chorégraphe Choi Ha, met en scène des combats virtuoses qui ne sont pas loin de rivaliser avec ce que faisaient les réalisateurs phares du genre. La faute peut-être à un manque d'originalité supplémentaire qui lui aurait permis de se distinguer de la concurrence. De l'originalité, il en injecta davantage sur ses deux films de kung-fu suivants, Ambitious Kung Fu Girl et Lover's Blade. Ce qui les distingue ici, c'est la présence très marquée de la comédie, frisant parfois la parodie. Michelle Yim, l'ambitieuse fille du kung-fu du titre, agit ainsi comme une groupie des chanteurs pop du moment. C'est aussi avec ces films que le réalisateur commença à pleinement assumer son goût pour la vitesse et les idées de mise en scène audacieuses en matière d'affrontements martiaux. Tony Liu utilisa ainsi avec un étonnant talent le recours à l'accéléré, en tournant à moins de 24 images par seconde, pour conférer un dynamisme accru au combat. Donc, quand on est à Hong Kong, il y a 12h30, cette tendance atteint son paroxysme durant la période 1983-1985. C'est à ce moment-là que Tony Liu passa de l'univers du kung-fu à celui du wuxiapian. Cette tendance s'intégrait dans la tentative de revival du genre initiée par Choi Hark avec l'aide de la Golden Harvest et la production de Zhou, les guerriers de la montagne magique. La Shaw Brothers chercha à damer le pion à son principal concurrent et parvint à sortir avant celui-ci son propre wuxiapian à effets spéciaux, Buddha's Palm. Le studio chercha à continuer dans ce registre, ne serait-ce que pour rentabiliser des investissements liés aux effets spéciaux. Et Tony Liu fut l'homme de la situation. Pour la show, il signa Holy Flame of the Martial World et les deux Bastard Swordsman. Des films colorés, spectaculaires, menés tambour battant, qui se moquent des luttes de pouvoir et mettent en avant une jeunesse idéaliste. Toujours dans l'univers du wuxiapian mais inscrit davantage dans l'histoire chinoise réelle, il réalisa Lady Assassin et Secret Service of the Imperial Court. Deux films plus noirs et dramatiques que ses travaux antérieurs pour la show, mais dans lesquels il conserve son style d'action propre, faisant la part belle aux affrontements endiablés. De là à dire que Tony Liu signa les meilleurs wuxiapian des années 1980, il n'y a qu'un pas qu'on franchira délibérément. Si de nombreux réalisateurs témoignèrent des difficultés à travailler au sein de la Shaw Brothers et signèrent des œuvres décevantes lors des dernières années du studio, Tony Liu eut lui un parcours inverse. Il se réalisa pleinement quand il officia au sein du studio et signa ses meilleurs films. Habitué à travailler dans des conditions difficiles et avec des budgets réduits, il apprécia la stabilité et la constance offertes par la show. Les temps de tournage étaient fixes, il disposait des importantes ressources offertes par la présence de techniciens expérimentés et des infrastructures à disposition. Il pouvait faire appel à des acteurs talentueux. 當然啦，佢覺得係喺邵氏拍戲係好開心嘅，因為佢之前咧就喺啲獨立製片嗰啲公司啦，咁資源當然唔會夠邵氏啦，咁所以佢會覺得好得心應手。 En somme, il était à même de se concentrer pleinement sur les aspects les plus importants de son travail de réalisateur et donner le meilleur de lui-même. Il put ainsi développer un type de film d'action constamment inventif et possédant un rythme terrassant.
La fermeture de la Movie Town en 1985 mit fin à cette période bénie pour Tony Liu et il retourna dans le petit monde du cinéma hongkongais indépendant. Le retour à cet univers fut difficile. Kung Fu et Wuxiapian, les deux genres dans lesquels il s'était spécialisé, étaient alors passés de mode. Il dut donc se réinventer et cela ne se fit pas sans difficulté. The Haunted Madame, qu'il mit en scène en 1986, semble témoigner de cette désorientation, le film partant dans toutes les directions possibles et imaginables, pour un résultat certes distrayant, mais foncièrement déroutant. Heureusement pour lui, l'industrie était alors d'un dynamisme inégalé et d'autres modes se mettaient en place. En 1985, la DMB sortit le polar kung-fu Yes Madame, plus connu chez nous sous le titre Le Sens du Devoir 2, faisant de Michelle Yeoh et Cynthia Rothrock des stars de l'action. Le film de Corey Yoon initia la mode du Girls with Guns, des films d'action urbains proposant des héroïnes à la place des habituels héros masculins. D'abord l'apanage des gros studios comme la DMB et la Golden Harvest, le sous-genre s'essouffla au bout de quelques années. Mais si le public hongkongais passa à d'autres univers cinématographiques, le marché international demeurait suffisamment fort pour que le Girls with Guns puisse exister, et c'est le monde du cinéma indépendant qui prit la relève. Et c'est là que Tony Liu entra en scène. Le réalisateur s'imposa comme LE spécialiste du Girls with Guns. Entre 1989 et 1994, Tony Liu signa pas moins de 11 films pouvant être assimilés à ce sous-genre. Si tous ne sont pas des chefs-d'œuvre, il parvint régulièrement à signer des œuvres de qualité, certaines figurant parmi les meilleures que le Girls with Guns Made in Hong Kong put proposer. Ainsi, avec Devil Hunters, il signa une des séries B les plus survitaminées du cinéma de Hong Kong, marquée par sa suicidaire cascade finale. Dans Dreaming the Reality, il offre un des rôles dramatiques les plus intéressants à la talentueuse Moon Lee. Pour Angel Terminators 2, il en fit autant à l'autre star du genre, la japonaise Yukari Oshima, et aborda même les questions sociales liées à la situation de la jeunesse. Dans The Big Deal, il se moqua du genre dans lequel il œuvrait aussi intensivement, signant rien de moins que la parodie ultime du Girls with Guns. Hey, si Corey Yoon peut à juste titre être qualifié de père du Girls with Guns et son meilleur illustrateur, Tony Liu vient juste derrière, ayant contribué à faire de ce sous-genre un des plus fun du cinéma de Hong Kong. La crise que connut le cinéma de Hong Kong à partir de la seconde moitié des années 1990 eut un impact majeur sur le monde du cinéma hongkongais indépendant. Ce sont les petits producteurs qui connurent les plus grandes difficultés à continuer leurs activités. Les budgets déjà jusqu'ici serrés baissèrent encore davantage. Tony Liu tenta de continuer à travailler dans cette nouvelle configuration, mais ses films en subirent les conséquences. Souffrant d'une facture téléfilmesque et sans l'énergie qui avait caractérisé son cinéma jusqu'ici, ses films n'étaient plus que des coquilles vides. Tony Liu lui-même dut comprendre que la messe était dite et il mit fin à sa carrière en 2000. Il décéda quelques années plus tard dans l'indifférence générale. Aucun journal ne fit ainsi état de son décès, la preuve que malgré une impressionnante productivité et quelques œuvres de grande qualité à son actif, il n'avait pas réussi à imposer son empreinte sur l'industrie et la culture populaire de la ville. Dans le paysage quasi-apocalyptique du cinéma de Hong Kong commercial actuel, il est bien difficile de détecter un héritage de Tony Liu. Mais son travail durant l'âge d'or de l'industrie, des années 1980 jusqu'au milieu des années 1990, contribua à définir le cinéma de Hong Kong à travers le monde. Des séries B péchues, caractérisées par un rythme enlevé et des acteurs prêts à prendre tous les risques pour distraire les spectateurs. En un sens, Tony Liu est l'artisan ultime du cinéma de Hong Kong. Un petit maître de l'exploitation, un cinéaste qui ne réinventa jamais l'industrie mais sut à chaque fois donner le meilleur des modes initiés par ses collègues plus célèbres. Au cours de sa carrière de près de 30 ans, il atteint un degré de maîtrise impressionnant durant sa période à la Shaw Brothers. C'est là qu'il signa ses tout meilleurs films, des Wuxiapian agressifs et ultra rythmés à l'énergie contagieuse.
Malheureusement, le préjudice associé à la fin du studio et l'impossibilité de voir le catalogue de la show pendant des années empêcha Tony Liu d'avoir la reconnaissance qui lui était due. On peut espérer que ce tort sera aujourd'hui réparé par les fans du cinéma de Hong Kong.